Bon, manifestement, il y a des choses étranges qui se passent par ici. Bon, ça n'a pas empêché Jody de dormir, hein. Ça se trouve, elle n'avait pas très bien dormi ces derniers jours, déjà d'une part, puis d'autre part, de toute façon, des trucs étranges dans sa vie, elle en a déjà vu pas mal. Donc j'imagine que c'est pas forcément ce qui va la déranger. Bref. Le soleil est levé. Sans aucun problème. Bon bah, je vais me rhabiller. Je voulais voir si je pouvais me remettre de l'eau sur le corps, mais je peux pas visiblement. Juste pour le principe, tu sais. Tout cela est bizarre. Donc ça, c'est la chambre du petit frère. En mode fouineuse, quoi. Allez, vas-y, Jody, va renifler ses sous-vêtements. Truc dégueulasse. Visiblement, il a l'air d'être assez fan du baseball. Vu qu'il a pas mal de photos de ça. Il a quelques CD. Il a même une statuette. Et des bouquins. Attends. Il y avait un truc là. Donc ouais, c'est probablement un fan de baseball. Ensuite. Ah, je peux pas aller dans cette chambre-là. Je m'en fous, je vais la regarder quand même. Beaucoup plus vide cette chambre, y a rien de particulier dedans. Et c'est pareil, la chambre de Paul. Il y a juste un cadre ici, un autre cadre ici. Mais rien de particulier. Tu avais l'air épuisé. J'ai dit au garçon de te laisser dormir. Merci, j'en avais vraiment besoin. J'ai fait du café. Café du matin indispensable. Cul sec. Le café cul sec. Bon, ben allons-y. Je vais reprendre la route. Merci. On a vraiment beaucoup de travail à la ferme. Tu pourrais rester quelques jours et nous aider. Je ne pourrais pas te payer, mais tu aurais un toit et de quoi manger. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Oui, pourquoi pas. Bien. Il y a des vêtements dans la chambre de Cory. On se voit dehors?
Prête à bosser? Je suis toujours prête. Les moutons ont besoin d'eau. Tu peux t'en occuper? Bien sûr. Oh bah voilà, excellent. Bonjour. Je m'appelle Jody et je vais rester un peu dans votre famille pour vous aider. J'espère que ça ne vous ennuie pas. C'est magnifique. C'est vous qui l'avez faite ? Oui, elle ne peut pas parler. Bon, en tout cas, on a trouvé un endroit où loger. Même si on n'est pas payé, c'est franchement pas grave. Vu la situation de Jody, tu m'étonnes qu'elle est heureuse de pouvoir bosser et être nourrie et logée en échange. En plus, c'est un coin plutôt paumé, donc elle est bien à l'abri de la CIA. Le seul point, on va dire, noir dans cette histoire, c'est que ben, il a l'air de se passer des trucs bizarres quand même dans cette ferme. Alors, tu vas rester un peu? Ouais, on dirait. Super! Je veux dire, c'est cool d'avoir de l'aide. Merci, Jody. Oh, tu peux prendre du foin dans la grange? Ouais. Du foin, pas de soucis. Ça sent le foin! Donc Cory, c'est le jeune. Jay, ça doit être le plus âgé. La vieille, c'est Shimasani. Et le papa, c'est Paul. Mais je peux pas parler à Jay, manifestement. Il est en train de brosser son cheval. Aide-moi, Aiden. Flemmarde. Bon, j'avoue que c'est pas pratique, cela dit. En fait, là, pour enlever le foin, il faudrait qu'elle arrive à passer au-dessus et... Ouais. En fait, le foin, il obstrue un peu le passage. Il faudrait qu'il y ait un petit peu de place, au moins, pour pouvoir se mettre debout dessus. Et puis, comme ça, on peut faire directement tomber les bottes de foin. Là, c'est un peu chiant, quoi. Juste une botte, pas besoin d'embarquer tout le stock. Ça sent le foin, dis donc. Hé, hey, Jody! On mange! Ok, laisse-moi juste terminer ça. Après, c'est vraiment un boulot beaucoup plus pépère que la CIA, hein. Ok. Pose là où tu veux. Merci, Jim. C'est l'heure de manger. Va rejoindre les garçons si tu as faim. Vous venez? Plus tard. J'ai encore du travail. Ok, à plus tard. Bon, oh, très bien. Allez, c'est l'heure de bouffer. Ça doit faire bizarre d'avoir deux repas par jour, hein. Assieds-toi. Merci. Est-ce que c'est vrai que ta grand-mère n'a pas parlé depuis des années? Ouais.
D'après mon père, elle a pas dit un mot depuis la mort de mon arrière-grand-mère. Ça doit bien faire 30 ans. Il y a beaucoup de choses à faire au ranch. Ouais. Jay s'occupe des chevaux. Moi, je surveille les churros et mon père s'occupe de tout le reste. J'ai vu les moutons morts. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? La tempête. Ils ont quitté l'enclos et ils sont étouffés dans le sable. Tu sais, en ouvrant la porte hier soir, j'ai vu quelque chose. Je suis sûre qu'il y avait quelqu'un. Je sais pas de quoi tu parles. C'était un rêve. Tu poses toujours autant de questions ? Quand je comprends pas quelque chose, ouais. Ouais ? Et si je te posais autant de questions ? D'où tu viens ? Ce que tu fais ici ? T'aimerais pas trop ça, hein ? Alors garde tous tes petits secrets. Et ne pose plus de questions. Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Oh, t'en fais pas, Jody. Il est cool une fois qu'on le connaît. Si tu le dis... Bon. Je ferais mieux d'y aller avant que mon père s'énerve. À tout à l'heure. Bravo, Jody. Bon. Bonjour l'ambiance. Juste, avant d'aller vous revoir Paul, je vais juste aller voir si je peux discuter avec les autres. Est-ce qu'il y a moyen? T'es toujours là, machin? J'ai déjà zappé ton nom. Cory. Non? Ah si, 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 il est en train de traire un mouton. Hé, hey, t'as besoin d'aide, Cory? Non, pas vraiment. Je vais aller voir si Jay a besoin d'aide. Ouais, à toutes. Ah, Jay, niveau ambiance. Je veux juste voir Paul avant. Yo, Paul. Hé, hey, y a autre chose à faire, Paul? Non. Mais les garçons ont peut-être besoin d'aide. Ok, je vais voir. C'est quoi ça? Pourquoi faire? Ah oui, pour se mettre un peu d'eau sur le visage. Parce que je me disais, tu vas pas ramener de l'eau au mouton alors que c'est déjà plein. Putain, la musique me casse les oreilles. Allons voir ce que fait Jay. Oh, oh. Fier et têtu. Il veut jamais entrer avec les autres. Ça t'ennuie que j'essaie ? T'es déjà occupé de chevaux ? Non. Fais-toi plaisir. Il s'appelle Ashki. Salut Ashki. N'aie pas peur, je vais juste venir par là, ok ? Tu vois, Ashki ? C'est pas si mal, hein ? Admets-le. Tu
tu m'aimes bien. Hey, Aiden. T'as jamais voulu monter à cheval? Emmène-le à l'enclos. Comment t'as fait ça? On a tous nos secrets, non? Je t'ai peut-être mal jugé. Si tu veux prendre une douche, c'est derrière la grange. Les dames d'abord. Je dis pas non. Après une journée à bosser à la ferme, une bonne douche, ça fait du bien. Cela étant, voilà l'état de la douche. Enfin, à l'ancienne. Et après, le gars est parti en courant. Et vous savez quoi? On l'a plus jamais revu. Qu'il t'arrive quelque chose. Bordel, mais parle-moi, Paul. Qu'est-ce qui se passe ici? Va dans ta chambre. Tu ne pourrais rien faire. Ouais. Enfin. Je sais pas si... Ouais, Jodie, en fait, elle a pas trop envie de la jouer docile, elle est un peu curieuse, ce qui est compréhensible. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Bon, il y a eu cette apparition sous la douche, il y avait marqué Crown derrière, ce qui veut dire couronne. Mais... Pour le moment, ça ne nous dit pas grand-chose, en tout cas. Curiosité dangereuse.
Jodie! Jodie, je t'ai dit de rester dans ta chambre. Tu aurais pu te faire tuer. Qu'est-ce qui se passe ici? C'était quoi ce truc? Tu aurais dû m'écouter. Et rester dans ta chambre. Non, vous devez me dire la vérité. Vous devez me dire la vérité maintenant. C'est Yeitsu. Il veut du sang. C'est tout ce qui l'intéresse. On ne peut rien y faire. On ne peut pas vaincre un esprit. Les esprits ne vivent pas dans ce monde. S'il est ici, il y a une raison.